Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode d'Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Toujours dans le endgame, toujours en train de terminer toutes les petites missions annexes. Et en particulier à la recherche des morceaux de Terrako. Et donc on va chercher une mission de ce style, une mission de combat à faire. Donc ici j'en vois une, on va voir ce que c'est. Niveau conseiller 14 avec Impa, je pense que ça devrait aller. Impa tient à aider Zelda de son mieux. Fermement résolue à devenir plus forte, elle se rend à son entraînement. Ouais. On va aller ruiner quelques soldats. Ça devrait être intéressant. Alors, je vais couper le chargement, ça sera plus intéressant, et pour vous, et pour moi. Ok, c'est parti. Carnage. Cette zone est quand même assez minuscule. Ils auraient pu ouvrir ici. Ça aurait été sympa. Capitaine, tiens, allez pour toi celle-là. J'ai remporté la victoire. Encore un. Non.
manger ma grenouille. Je crois qu'elle a aimé. Et c'est fini. Rapide. Ah, ça y est, elle aussi, elle est à fond. Petite lance pour Link et quelques ressources, c'est très bien. Les premières missions sont assez rapides, donc ça va, on peut les enchaîner. Ça passe. Allez, à nouveau une lune de sang. Ça clignote, hein. On va en profiter. Une puissance nouvelle. Parfait. J'aime pas. Ma force a grandi. Tant mieux. C'est une force nouvelle. On continue évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien de nouveau. Alors on va continuer tranquillement. Donc tout là c'est clean. Ah, il me reste ici, j'avais pas vu. Niveau 40 et allez, niveau 40. Ça se tente. Allons-y. Ah, c'est Reju. J'ai pas regardé si elle était bien équipée. Eh bien, on va voir ça. Donc je vais passer le chargement une fois de plus. Allez, on est reparti. C'est vrai qu'elle combat avec un patricien. Ok, on va y aller, super. Carnage, normal. Allons-y, Madame Patricia. Hop, on lui envoie un super lui aussi. Pas beaucoup de dégâts. Hop. On va l'éclater. On les a grillés, c'est parfait.
Il est pas mort. Hop. Un gobelin noir. Allez voir. Fichez le camp. Aïe. Carnage. Le filet Gerudo. Pour Madame Patricia Cole. Et vous allez où les gars? Petite montée en niveau. Un deuxième filet, pourquoi pas. Ok. Je pense à l'équiper d'une meilleure arme, enfin d'un meilleur filet donc pour Madame Patricia. Parce qu'elle fait pas assez de dégâts. Et je dois voir ce qu'il faut. C'est juste que c'est un personnage que j'ai pas beaucoup joué, du coup je l'ai pas vraiment optimisé. Alors qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Très bien. Ici, on a le roi qui clignote. On prend une puissance nouvelle. Ah, une nouvelle tenue pour Link. Le doublet. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, donc ça c'est fait. Niveau 30, toujours pour Reju. Cette fois, je vais un peu mieux l'équiper. Une série de combats contre des monstres. Préparez-vous bien avant d'accepter le défi. Oui, on va faire ça. Ouais. On va manger ça. Ça, c'est mieux. Hein. Le filet des 7 joyaux. Ça paraît beaucoup mieux. Je crois que je fusionne tout ça à l'occasion. On y va. Donc une fois n'est pas coutume, je vais passer le chargement. Ok, c'est parti. Hey, tu veux? Oui, bien sûr. Tiens. Ouf, en dessous. Vous allez payer cet argent. Ouais, tiens, mange ma bombe. Voilà.
encore un autre ennemi, normalement. Panilos. Normal. Et... sont super et très puissants. Il aime ça. Ok. Ah, à nouveau de nouveaux filets qui ont pas l'air mieux que celui que j'ai, mais ça reste intéressant. Évidemment, la princesse est à fond. Ok, ça commence à faire pas mal de ressources que je recueille, donc je pense que je vais pas tarder à avoir des petits trucs qui vont se débloquer à droite à gauche sur la carte. Ça va commencer à devenir intéressant. Ça fait un moment que j'ai pas pu augmenter Link. Donc on augmente Link. Ok, un coup de plus pour son combo. Ça c'est bien. C'est quoi ça? Ah, c'est Iga. C'est le grand Koga. Mon charme naturel a encore augmenté. Okay, je vois rien d'autre d'intéressant. On va donc continuer. À niveau 40, donc on a un inox et ok, on va y aller comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Un inox, enfin un stal inox et un stal mobile. Je vais bien évidemment passer ce petit chargement. Ok, on y va. Il n'y a rien ici. On est sûr ? Final.
m'a collé au sol. Paye. C'est pas gentil. Ok, d'accord. Il a trouvé mon point faible. Je pense que ça va tuer les deux. Hey, j'étais derrière, hein. Ça va pas. La petite pomme. Ça va sûrement emporter les deux. Ah, pas du tout. Pour l'honneur des Gerudo, je ne pouvais pas perdre. Ah, voilà le Stalinox. Bonjour monsieur. Alors on fait quoi? On fait la bombe. Évidemment. Le coup de pas très efficace ce coup contre eux. C'est un succès. Alors que vais-je gagner? Un nouveau filet déjà, c'est pas mal. Un niveau de plus aussi. Ouais, c'est pas mal. Une lance pour Mifa aussi, ça se prend. Alors, est-ce que j'ai débloqué de nouvelles choses? Sûrement un petit peu. C'est léger. Toujours pour elle, mais là il faut être niveau 56 et je suis 43. Donc je n'irai pas tout de suite. Pas de suicide pour l'instant de mon côté. On va remonter, on va aller voir ce qu'il y a ici. 58 et je suis 43, c'est toujours pour elle. Intéressant.
Là aussi. Pourquoi c'est toujours pour elle? Là c'est pas pour elle, mais c'est trop haut niveau. Ça, ça se fait. Lya s'exerce à danser tout seul dans la forêt, mais la solitude finit par lui peser. Heureusement, le partenaire d'entraînement idéal passe par là, par hasard. Écoutez, on va aller voir qui c'est. Est-ce qu'il y a moyen de mieux l'équiper, peut-être? On va lui mettre ça, ce sera bien mieux. Et on y va. Nouya. On se retrouve après le chargement. Ok, c'est parti. Alors, 300 adversaires à éliminer avec Nouya. Ça se fait, ça devrait aller. Hop, on envoie le super. Ah, elle est mortelle cette dent. Allez, on en envoie une deuxième parce que voilà, quand on ne compte pas. Ok, ah, il y a un ennemi. Impa, on va s'entraîner contre Impa. Terrible, ça va faire mal ça. Ah oui, c'est fini. Ok, rapide. Ah, elle est trop puissante, d'ailleurs. J'adore comme il court. N'importe quoi. Bon, ça va le faire un peu monter à niveau parce qu'il a un besoin. De nouvelles maracas, ça se prend. Et des ressources, ok, ok. Nouya aussi, c'est un petit peu comme Reju, hein. C'est un perso que j'ai pas trop joué. Bah, si vous avez suivi mon let's play, vous avez dû le voir, hein, de toute façon. À part le moment où le scénario l'a imposé, je l'ai pas sélectionné pour le mettre dans mon équipe. Mais c'est pareil en fait pour tous ceux qui sont venus du futur, les quatre personnages, je les ai pas mis dans mon équipe non plus, donc ouais. Ok, pas grand chose hein, cette fois. Il
avancer, je vois rien de plus qui clignote malgré ce que j'ai pu gagner sur cette partie. Très bien, et bien écoutez, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à commenter la vidéo, à la partager si c'est possible. Et évidemment, abonnez-vous et cochez la cloche si vous voulez être sûr de ne pas louper la suite. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.